j'avais l'accessoire, c'est un peu entre, c'est entre un peu beaucoup de choses. C'est ni de l'art, ni de la mode, enfin, oui, c'est ni de la sculpture, mais c'est un peu entre tout ça. Donc, moi, je me considère comme un modiste, voilà, quelqu'un qui embellit la vie des gens, j'espère. Je suis assez introverti, je n'aime pas, j'ai beaucoup, beaucoup d'invitations à les soirées mondaines, etc. Je fais vraiment un gros effort maintenant pour y aller. Mais voilà, j'aime bien être chez moi, avec des amis, faire des petits dîners. Je ne suis pas trop show-off, enfin, malgré qu'on pourrait croire, parce que parfois, je ne suis jamais simplement habillé, je ne suis jamais... quand je vais quelque part, je suis un peu remarqué. C'est un peu... c'est la rançon de la gloire, on peut dire. Mais moi, je n'ai pas fait des chapeaux pour être connu. On a vraiment plein d'idées, on a plein d'envies. Moi, mes bases et mes codes, je les ai depuis le début. Je savais ce que je voulais. Et donc, quand j'ai commencé, la première forme que j'ai faite, c'est celle-ci, en fait. Ça, c'est la toute première forme que j'ai faite il y a plus de 30 ans. Et quand j'ai fait cette forme, j'ai compris ce que je voulais faire et ça a déclenché vraiment quelque chose. De tout ce qui m'arrive dans la vie, en fait. C'est aussi, ce n'est pas lié que à la mode, mais c'est aussi parfois l'actualité, les gens dans la rue. Ça peut être un artiste, une expo que je suis allé voir, une foule que j'ai vue avec certaines couleurs ou certaines... Enfin, tout peut m'inspirer, tout peut être prétexte à trouver une inspiration. C'est des objets qui m'inspirent beaucoup parce que vous voyez, ils sont faits en feutre, ils sont faits, c'est du bricolage, ils sont faits, mais ils sont bien faits, ils sont cousus main. Et ça me faisait penser un peu à Amy Winehouse qui va au collège. Donc ça me plaît beaucoup. Et alors, tout ça m'inspire beaucoup parce que je regarde comment c'est fait, les finitions, pourquoi c'est fait comme ça, les gammes de couleurs parfois. Juste par exemple dans l'œil ici, le vert, le noir et le blanc cassé, je trouve ça très harmonieux. On peut partir d'un objet comme ça pour faire sa gamme de couleurs. Tous ces objets-là sont pour moi de l'inspiration aussi. Et comme j'aime travailler avec facilité, donc j'aime avoir beaucoup de choses autour de moi. Comme ça, quand je suis en train de créer, je regarde autour de moi et je capte quelque chose. Et en fait, voilà, c'est les choses qui m'inspirent et voilà, et puis j'agis. À 5 ans, je portais déjà des chapeaux et je disais à ma mère, non, elle me faisait des petits pulls. Et je lui disais, je veux le pantalon de golf comme Tintin et je veux une casquette. Enfin, j'ai toujours été un peu farfelu dans mes envies et heureusement parce que ça a fait ma carrière finalement. C'est pas bizarre pour moi, c'est élégant, c'est rigolo, mais c'est pas fou. C'est un univers quoi. Je pourrais arrêter de travailler, mais moi je suis passionné, donc je fais ça par plaisir en fait, et par besoin, j'ai besoin de faire ça. Donc, peut-être que c'est peut-être la santé, parce que là je viens d'avoir une hernie discale, je n'ai pas pu travailler trop pendant 3 mois, et peut-être que ce sera ça, mais je continuerai toujours à faire des chapeaux, parce que même si j'en fais simplement pour moi dans un coin, et je m'amuse à en faire pour moi et pour mes amis, je continuerai certainement toute ma vie, parce que voilà, jusqu'à la fin.